Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Tetsu et bienvenue chers amis pour votre quatrième épisode de Farm Together Alone. 4, je crois que c'est le quatrième épisode, ouais, c'est ça. Enfin, du coup, c'est Farm Together 2, votre quatrième épisode, tout ça, tout... Ah, mais attends, une petite... Mais il n'y a pas de musique. Bah oui, mais forcément, parce que j'ai tout coupé, parce que quand je joue à ça, bah, en fait, je mets de la musique de mon côté. Allô? Bon, au moins il y a un truc. Alors, c'est intéressant parce que je sais jamais quand est-ce que quoi filmer. Alors, vous voyez qu'on est quand même au niveau 25, c'est pas rien. Ça avance. Moi, je suis niveau 23. De temps en temps, pour monter le niveau personnel. Parce qu'il y a le niveau de la ferme et le niveau du fermier. C'est intéressant. Voilà. Ok, bon, bah, ça, c'est fait. 14 rubans. On n'est pas si mal, on n'est pas si mal. Oh, putain, non, la merde. Les machins, ils sont pleins. Ils sont pleins. C'est les poires. C'est des poires, en fait. Et c'est plein. Il faut que j'aille vendre les poires. Et les Scooby-Doo. Alors, il y a eu... Bouge pas. Parce qu'en fait... non, attends. Alors, gestion, comme d'habitude. Gestion de l'inventaire, très très important. Vous voyez que les aubergines en haut, j'en ai vendu un petit peu, mais il va falloir en vendre encore. Oh, il n'y en aura pas plus d'une centaine, si, quand même. Faudra les vendre, les poires, les poissons aussi. Je viens de les ramasser, sinon le reste, ça va. Alors, comme d'habitude, alors, par contre, j'ai découvert un truc, c'est quand tu appuies sur Select... Tu peux tout de suite aller en ville. Bon, ça sert à rien de passer par l'arrêt de bus. Tu peux tout de suite aller en ville. Vendons les poiscailles. Beaucoup de poissons. Donc tu vois, si je t'améliore, puis-je t'améliorer? Non, parce qu'il me faut des roses. Enfin, les... Je sais pas exactement ce que c'est comme plante, mais je suis en train d'en faire pousser. Voilà, je suis en train d'en faire pousser. Et donc, je sais pas si vous voyez au-dessus, 2350. Globalement, bah... Ça va, les affaires marchent en ce moment. Ouais, mince, tu vois, celui-là, il faut l'améliorer. Bah, il faut du poisson. Et 6000 balles. Bah, super, on peut le faire. Donc, du coup, normalement, t'as plus de pognon. Normalement, tu devrais... Oui, 60. Donc, tu faudrais t'améliorer encore. 9000 et du blé. Ah bah, allez, on améliore. Donc là, tu vois, 60. Tu peux en prendre plus que 60 des aubergines, là. On va faire ça comme ça. Ah. Et si je t'améliore encore, 13 000. Bon, les aubergines, je les ai, du coup. Mais, oh, j'ai plus de pognon. Plus de pognon, bon, pour le coup, allez, on va faire ça comme ça. Parce qu'en fait, voilà, tout simplement, ils ont pas suffisamment d'argent. Bah, tu vois, là, il faut que je vende 110, les poires. C'est important, il faut pas être plein. Courgette, ok, il faut juste... Alors, les rubans, c'est le nerf de la guerre, globalement. Tu les as seulement en accomplissant des quêtes. Des œufs. J'en ai beaucoup. Faut-il que je les garde? Les œufs, c'est important pour cuisiner. Il y a des choses comme les aubergines, les œufs, le blé qui sert soit à cuisiner, soit à nourrir les poulets et les bestioles. Donc, faut pas trop s'en séparer. Moi, je dis ça, en tout cas. Ok, ça, c'était notre dernière... J'aime bien, elle est grande, elle me regarde comme si elle allait me rouler une pelle. Ça, c'était notre dernier magasin, je crois. Ou alors, il y a... Mais les flowers aussi, je suis en train d'en faire pousser. Mais quand même, je commence à en avoir beaucoup. Les roses aussi, apparemment, les fleurs. Et les roses, c'est important pour faire de la peinture. Où c'est que je dois ouvrir mon magasin? Plutôt ici, hein. Je crois qu'il y a un dernier magasin. Enfin, un avant-dernier magasin à ouvrir. Et apparemment, armoire. Change ta tenue. Voyons voir. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait changer de tenue. Oui, parce que c'est la même depuis le début. Donc, du coup... Oh, bah c'est cool, je peux même changer le tracteur. Ah oui, mais... Alors, silhouette, on va rester gros. Oui, mais du coup, il y a rien, parce que je vais pas me balader en robe, moi. Excusez-moi, hein. Et puis les coiffures, là, elles sont nulles aussi. Ouais, il y a rien. Oui, alors, j'ai mis cette coiffure-là. Voilà, ça change un peu. Change un peu. La barbe, tu laisses la beubarde. Les lunettes, en fait, il y a rien, c'est juste que tu peux... Oh, putain, mince, ça. En fait, c'est juste pour t'éviter de sortir... Pour changer tes trucs. Franchement, c'est nul. Vraiment, c'est... Moi, je me sens floué. Alors, j'ai le nouveau tracteur. D'ailleurs, c'est celui-là. Et il est vraiment sympa. Moi, j'ai mis une petite couleur. Vous savez que j'aime bien le bleu nuit. Donc, j'ai mis le bleu marine. Voilà.
Bah sinon rien de. Oh, mais... oh mince alors. Bon ça fait 10 rubans pour pas grand chose hein, j'ai envie de dire. Et pareil, pour retourner à la maison, tu fais juste select et tu fais Y. Et c'est reparti mon kéké. Et on peut ramasser les poires qui sont des bananes. Et les merdouilles qui sont là. Ah oui, j'ai commencé à mettre. Ah, putain mais j'aurais pu en mettre des. J'aurais pu en mettre des arrosoirs. J'ai mis des arrosoirs partout. C'est vachement bien parce que globalement, ça divise par deux le temps de pousse. Cherchez pas. Si c'est 1 heure, ça va faire 1 demi-heure. Si c'est 20 minutes, ça va faire 10 minutes. Là, globalement, pour les courgettes, c'est ridicule. Ça va très très vite. Et c'est vraiment le. En fait, c'est un champ de pousse rapide. Voilà, c'est un champ de pousse rapide. J'ai mis un grand champ là-bas. Et je vais faire en sorte que, bah voilà quoi. Je vais en mettre partout. Voilà, des arrosoirs comme ça, je vais en mettre partout. Ah, par contre, le pognon, ça commence à être un petit peu compliqué là. OMG. OMGG. Le pognon, ça commence. Donc, vous voyez, partout où il y a les arrosoirs. Voilà, partout il y a les arrosoirs déjà. Ça, je sais pas si je vais l'enlever ou si je vais remettre parce qu'en fait, c'est par 3. C'est des cubes de 3. C'est des cubes, enfin, de 9, du coup. Ça, c'est mes roses qui m'ont coûté une fortune. C'est des roses japonaises. J'ai une quête pour ça, mais comme elle m'avait coûté très très cher. Attendez, je crois qu'on peut regarder la quête. Hein. Regardez les gars, c'est mon petit chez moi, donc autant faire des flowers un peu partout. Et ouais, tu vois, les poires. Bah, y a les poires qui sont arrivées, et du coup, ils m'ont demandé plein. Plein, beaucoup, beaucoup trop. Qu'est-ce que j'ai de trop là? Tu vois, les melons et melèches. Journal de Kate. Tu vois, il me faut des carottes et du blé. 140 de carottes, hein, ça fait beaucoup de carottes. Beaucoup de carottes là, tu vois. Ces roses japonaises, il m'en manque 6. Oh, c'est ridicule. Ridicule. Et là, il veut du porc. Ah bah d'accord. Donc le poulet que j'ai mis, et puis œil. De biset. Œil de biset. Est-ce que ce serait pas. Bon, c'est les roses japonaises. Tulipe rose de Chine. Oh. C'est quoi l'œil de biset? J'en ai pas mis. J'en ai pas mis. Ça coûte encore cher. Est-ce que c'est celui-là? Non, marguerite. Tulipe de Chine, marguerite, rose, œil de biset. Donc c'est. C'est rose, rose. J'en ai pas mis ailleurs. Oh, 2000 balles le truc. T'en veux combien? 10, oh putain, rien que pour les planter, il va me falloir 20 000. Rien que pour les planter, il va me falloir 20 000. Hein. Oh, dois-je dépenser 20 000? Attends, alors, mince, alors, j'ai ramassé les cochons. Ce qu'il fallait pas faire. Hein. Franchement, ne ramassez pas. Là, il y a des œufs. Là, il te demande des œufs de poule machin. J'en ai ici, je crois que c'est tel. Mais ne ramassez pas les œufs ou les trucs avant d'avoir une quête qui vous le demande. Ah mince, ceux-là, ils sont pas encore finis. 38 et mercredi. À moins que vous ayez besoin de pognon, bien sûr. Mais franchement, ramassez pas. Bon, en tout cas, les poulets comme ça, c'est rare qu'ils m'en demandent. Ah, tu vois, Mince alors! J'ai pas assez de poulets. Donc du coup, j'ai seulement. Donc du coup, j'ai seulement 15 poulets. Il en faut 5 de plus. Eux aussi, ils coûtent cher. Je voulais voir les animaux. J'ai pas eu grand-chose de nouveau. Franchement, les animaux, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on avait les chevaux, on avait les vaches pour faire du lait. On avait des choses plutôt sympas. Il y a même des paons à un moment donné. Mais là, c'est cochon-poulet. Cochon-poulet, cochon-poulet. Franchement, faites un effort, quoi. C'en est chiant, c'en est chiant. C'en est chiant. Super, j'ai gagné ça. Alors ça, pour moi, c'est de la déco, franchement. Pour en placer. Ça peut être sympa parce que tu peux mettre ce que tu veux dessus. J'ai vu dans les autres fermes, ils mettent ça pour. T'as chaque champ à sa petite particularité. C'est très joli. Mais en même temps, c'est pas forcément très rentable. Mais c'est joli. Voilà, encore un truc en bambou là. Ouais, attends, mince.
compliqué. Bon, bah, besoin de pognon, besoin de pognon. Alors du coup, je vais tout ramasser. Et puis... ça, vous voyez, ça fait un petit peu de pognon à chaque fois. Ok, donc du coup, bon, bah, ça on oublie pour l'instant. Les œillets bisés. Bon, on pourrait d'ailleurs, avec tout le pognon qu'on a, c'est prendre une autre parcelle. Alors vous dites, ouais, pas hein? Si déjà, parce que bon, on te surveille. Non, vous vous dites, est-ce que tu peux pas tout faire à plat? J'aimerais bien faire tout à plat. Mais en fait, là, regardez, ça avance et ça sera pas avant le niveau 35. Donc je suis niveau 25, globalement. Il n'y a que au niveau 35 où je pourrais faire monter des trucs ou les faire descendre. Et franchement, je vais faire plat partout. Partout, ce sera plat. Bah oui, non mais attends. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va essayer de faire des quêtes. Donc toi, tu veux du porc, du poulet. Toi, tu veux du carottes et du blé. Carottes et blé, bon, on va épingler. Et ça, c'est quelques roses. C'est terrible. C'est terrible. Donc si on fait les carottes... Beaucoup de carottes, tu veux, hein. Ça, ça veut de la carotte, hein. Et super, c'est parfait, parce que c'est pas du tout... du tout la bonne période, carotte, printemps, automne, ok, d'accord, bon, bah, la prochaine, quoi. C'est ça, hein, ouais. Mettre du blé, au lieu de faire une heure, ils feront une demi-heure et des poussières, et puis, basta. Et les carottes, ça pousse en 15 minutes, donc on peut les mettre partout ailleurs. Ouais, tu vois, même de planter du blé déjà, ça coûte des sous. Et 72, ouais, on peut s'arrêter là. Et du coup, hop là, carottes ici ou pas? Oui, bah non, pas encore. L'été n'est pas encore passé. Voilà, que dire, ça avance doucement mais sûrement. Est-ce qu'on prend une nouvelle propriété? Je ne sais guère. Je ne sais guère. Regarde, ça, c'est plutôt joli. En plus, il y a des chemins et tout. C'est plutôt plat. Ah, j'aime bien. Franchement, je ne dis pas non. Parce que bon, là, t'as la neige. Je sais pas. Non, en fait, t'as la neige. Alors, tu vois, c'est tout... voilà, c'est sur étage. Je mettrais tout ça à plat, t'imagines. Même pas, t'as en face, là aussi, ça, c'est de la neige. En face aussi, c'est de la neige. Est-ce qu'il faut que je vende les poires et les Scooby-Doo-Bidou? Ouais, là, c'est de la neige. Là, en face aussi, c'est vallonné. Oh, je sais pas. Niveau de poires. Les arbres, ils en demandent tout de suite beaucoup. Du coup, il faut en mettre partout. Moi, je voulais limiter un petit peu les arbres, les regrouper, essayer de faire quelque chose. Non! Non! Tu vas avoir besoin de bananes, tu vas avoir besoin de poires, tu vas avoir besoin de tout ce qui existe en quantité phénoménale. Ah, moi, on se contentait très bien d'avoir très peu de citronniers. Et bah, il m'a demandé plein de citronniers. Donc, ça, voilà, ça, la mauvaise. Ok, on va juste ramasser les pommes. Et je crois que l'autre là-bas, c'est désertique. Je sais pas, est-ce qu'on peut faire pousser des trucs sur le désert? Je ne suis pas sûr. Alors, c'est pas trop le problème, le pognon. Tu vois, les diamants, on en a beaucoup. Là, ça fait 35 minutes au lieu de plus de 1h10, 1h20, je sais plus. Alors, autant ça fait joli. Franchement, ça fait joli. Autant, est-ce que ce serait utile? Je ne pense pas. La réponse est je ne pense pas. Et puis, franchement, alors, ce qui m'embête un peu, tu vois, c'est... On a une maison, un mangeoire, et je peux pas en faire une autre de maison. C'est 1 sur 1. Donc ça, j'espère qu'ils vont vite faire une mise à jour et nous permettre d'avoir autre chose. Parce que je me suis baladé sur des fermes de niveau 50. Et ben, il n'y a pas beaucoup plus. C'est juste qu'ils ont acheté les autres terrains et ils ont tout augmenté, globalement beaucoup de tout. Il y en a qui font ça... précautionneusement avec des terres dédiées à une seule culture, mais il y en a qui ont tout aplani et sur des kilomètres et des kilomètres t'as que des terres comme ça, des terres comment on dit déjà, labourées, des terres labourées où il plante ce qu'il veut, le mec il s'occupe pas du pourquoi du comment, il plante et il replante, il en a rien à carrer.
Chose que je déteste. Hein. Chose que je déteste. Ah oui, c'est vrai, les plats cuisinés et le... comment dire? Les peintures. J'ai pimpingouin. On attend que l'été s'en aille, là. Planter des carottes. Vous en avez encore pour longtemps. Hein. Ah oui, j'ai planté deux ici. 46 minutes. Ah non, mais ça marche pas. Ah, ça marche pas, c'est étonnant. Ah oui, mais ça marche pas sur les fleurs. Je ne le savais pas. Tu vois, ça, c'est étonnant. D'accord. Ça ne marche pas. Bon, bah écoute, si ça marche pas, on va le planter ici. J'ai utilisé... Oui, alors moi, ce que je voulais, c'est... Oh, patin. Tu vas vraiment faire ça? Ah, parce que t'as pris les fleurs. T'as pas pris le... D'accord, eh ben... Ramasser la poiscaille. Non, puisque ça marche pas, on va le mettre là. Voilà. C'est une fortune, ce truc-là. Ok. Je disais donc... Oh, patin. On le mettre où, celui-là? Non, c'est précieux, ça coûte 2 rubans. 2 rubans, ça fait beaucoup. 2 rubans, ça fait beaucoup. Donc, d'ailleurs, puisque j'ai... Non, mais 10 rubans, ça suffira pas. Ça fait que je pourrais en faire 5. Autant essayer d'en gagner juste encore un peu. Bon, plantant déjà les carottes. Ça, tu me remets ça en place ici, s'il te plaise. On ramasse la poiscaille. J'avais besoin d'autre chose. Les carottes sont cuites. Ok, là tu vois comme voilà, comme il fait 9 cases, c'est un peu chiant. Un peu chiant de bosser. Donc soit je supprime. Ouais, tu vois, soit je supprime ici et donc il faut encore beaucoup de carottes. Oui, 140, ça fait beaucoup. Fait beaucoup. Donc on va dépenser nos rubans. J'aime bien le fait que ça mette tellement peu de temps à pousser. Non, attends, tu me le refais s'il te plaît. Hop là. Oh, ça c'est ce que j'aime le plus. Quand c'est pile poil ce qu'il faut. Pile poil ce qu'il faut. Il dit carotte. Et c'est parti. Et ça plante. Oh. Ouais, non, je vais prendre cette parcelle-là devant. Ok, donc on est à 99. Ouais, tant pis. Hein. On va en faire pousser encore là. Ils seront plus lents à pousser. Mais tant pis. Il arrose tout de suite. Vous voyez que malgré le fait d'arroser, bah, ça ne fonctionne pas. Je vais devoir arroser à la main. J'ai plus d'essence pour le tracteur. On va faire ça comme ça. On va utiliser le dernier pognon qui nous reste. Ah là, ça j'aime bien. Vous voyez la différence? 11 minutes. 6 minutes. Et là, 6 minutes. Et des poussières. Non, mais arrose. Non. Juste arrose, en fait. Vous voyez, 14 minutes. 11 minutes. Donc, 6 minutes, c'est pas grand-chose, hein. 6 minutes, c'est bien. C'est bien, ça, 6 minutes. Bon, putain, il faut tout le temps faire gaffe aux poiscailles. Est-ce qu'elles sont pleines ou pas? Poisson 99 sur 215. Comme il ramasse tout d'un coup. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Ok, bon, cette quête-là, elle est en formation. Enfin, ça arrive. Ça arrive pour les roses du Japon. Bah, décidément,
Je suis pas prêt là. Ah, il faudrait planter des œillets de bise de. Ouais, il faudrait planter ces merdouilles. J'ai encore du pognon. Ouais, beauf, hein. Beauf. Poussez-vous, 28 minutes. Ah, il faut 1 heure normalement. Bon. Je sais pas trop quoi faire. Bah oui, mais c'est toujours un peu le. Comment dire. Voilà quoi, c'est un jeu qui est un peu complantatif. Censé faire. Voilà. Mais sinon, on a. Putain, le magasin qui a servi à rien. Patin, mais à rien quoi. Je regrette le magasin. 10 rubans pour un magasin qui m'empêche. Enfin, qui. La seule chose qui est bien, c'est que bah, t'es pas obligé de sortir pour te changer. Franchement, c'est nul. Vraiment, c'est nul, hein. Putain, mais 10 rubans, quoi. J'aurais pu faire en sorte que la parcelle là-bas soit entièrement irriguée tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est super dommage. Bon, on a 13 000 balles. Il faudrait que les choses, elles poussent. Il faudrait que les choses, elles poussent. Bon, on retourne juste à la maison, histoire de cuisiner un petit peu et de. Oh, putain, t'as toujours quelque chose à faire. Comme dans une vraie ferme, t'as toujours quelque chose à faire. Faut arroser, parce que quand même, 41 minutes déjà, on est arrosé. Mais je savais pas, parce que le dispositif ne marche pas sur les fleurs. Je pensais pas, je pensais pas. Voilà, ça arrose 2 heures. Bah oui, mais forcément. Ok, super. Ça c'est fait. Cassos, et on dirait une petite tondeuse électrique. Ah, on est bien chez soi. Y a-t-il des nouveautés? Moi j'aime bien lancer un petit machin, une ratatouille. On a tous les ingrédients, donc il devrait pas poser de problème. La ratatouille. Parce qu'en plus il me le demande souvent et ça fait des plats cuisinés qu'on peut utiliser bien sûr pour. Oh, je peux mettre le piano. 200, waouh, 200. Je vais le mettre dans le salon. Et normalement, tu peux composer des trucs dessus. Et il va te les demander, bien sûr, 5 minutes. Hé! Très très sympa. Allons peindre. Peindre un pingouin. Et on peut peindre différents trucs. Je peux pas peindre ce truc-là? Impossible de sélectionner. Ah, j'ai passé de melon. Ouais, parce qu'il te demande des trucs. Là, tu vois, il demande des roses. Là, il demande les autres roses, les flowers, là. Là, il demande des tomates et des piments. Donc, que faire? Bah, je sais pas. Ça dit 4 fois 15 minutes. C'est un peu long. C'est un peu long. Ouais, franchement, je vais rien faire du tout. Je vais rien faire du tout pour l'instant. Il y en a beaucoup trop. Bon. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, enfin, c'est. Pardon, mais qu'est-ce que. Ouais. Trop bien. Trop, trop bien. Trop, trop bien. Elle est belle, cette cuisine. Elle est belle, cette cuisine. Je crois que j'ai vu un autre papier peint, mais avec des champis. Franchement, qui vous. Trop enfantin, enfin, cela dit. Dans le salon. Ah oui, non, ça, c'est la salle de bain. Dans le salon, j'ai déjà changé les. Ah, ça pique, hein. Pique un peu les yeux. Ça pique les yeux. Enfin, c'est. Disons, c'est forestier. Voilà, c'est forestier. Ouais. Bon, évidemment, au fur et à mesure du développement du jeu, je pense qu'ils vont en ajouter plein. Dans Farm Together, le premier, il y en avait tellement. Tellement, 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 tellement. Ok, bon, il y a des livres à placer, il y a des merdouilles comme ça qu'on va pouvoir placer. Ben, sinon, c'est tout. Hein. Sinon, c'est globalement tout. Je voulais pas placer celui-là, celle-là, parce qu'elle est trop grande. Je voulais la petite, mais comme c'est compliqué de la centrer, finalement, j'en voulais pas. Si, peut-être en mettre deux. Ouais, ou alors tu mets ça juste là. Ça manque évidemment d'une télé ou de quelque chose pour meubler, c'est dommage. Mais bon, au moins on a de quoi faire. Oui, non, franchement. Ah bah profitez-en, franchement, ça va pas rester longtemps. Hein. Ça, on se croirait dans un jardin d'enfants. Qu'une seule envie, c'est de s'enfuir. Et sinon, bon bah la salle de bain,
Je me sens sale. Je me sens sale. Je me sens sale. J'ai beau me laver, c'est à l'intérieur que je souffre. Bon, bref. À l'intérieur que je suis sale. Non, il est cassos. Kiasos. Bon. Eh ben, franchement, il n'y a plus grand chose à faire. Il n'y a plus grand chose à faire. À part plus de profit. Toujours plus de profit. Patin. C'est compliqué là, ces flowers. Hein. J'ai pas assez de pognon. Faut 20 000 balles. Bon. 20 000 balles, ça peut se jouer. Maintenant, on a temporisé. On a un peu temporisé. Ah, 27 000. Ok, super. Bon, en tout cas, les carottes sont cuites. Il m'en fallait 140. Oui, mais j'en ai pas, j'en ai placé là-bas. J'en ai placé là-bas. Bon, alors, elles seront pas toutes prêtes. Allez, il me rend mon pognon. Puis là, on arrose. Ouais, non, tant que ça, c'est pas prêt, tu vois. Il reste encore 2 minutes, bon. Des 2 minutes quand t'es occupé, c'est pas grand-chose. Cela dit. Ok, bon, au moins ça, c'est fait. Le blé, il va y avoir encore un petit moment. Et, oh là là. Mais voilà, le jeu est beau, il est chill. Moi, je mets la musique dessus, je vois plus du tout le temps passer. Et t'as toujours un truc à faire. D'ailleurs, on avait vu 22 minutes encore avant le blé. 22 minutes. C'est vrai que j'aurais bien voulu un truc un peu plus. Ah, je veux dire. Plus de maisons, plus de structures extérieures. Les magasins, bon. Ah mince, bah, on est à peine plein. On est à peine plein pour les pommes. Ça veut dire que. Oh, téléportation en ville. Oh, tiens, viens voir, toi. Qu'as-tu besoin? Cette chaleur m'ouvre l'appétit. Un sandwich omelette, bon, je crois que c'est fait. Contre quoi? Je crois que des diamants seulement. Moi, bon, c'est pas comme si j'en manquais, quoi, des diamants. Et bonjour. On dirait une fille avec une moustache, c'est bizarre. Bref, Georges, Dorham se promène la nuit. C'est... Oui, d'accord. Mais non, mais c'est madame qui a une quête. Nous avons plus de fruits pour le dessert. J'ai envie d'un gros fruit bien juteux, là. 2 melons contre 35 diamants, j'accepte. Yes, sir. Ah bah tiens, encore une quête. Ah bah ça tombe bien. Mais en fait, je crois que c'est quand tu changes de saison que toutes les quêtes, elles arrivent. Lors de mes voyages, ouais, bah écoute, pour 800 balles, si tu veux, on fait ça, mais à vitam aeternam. À vitam aeternam, c'est-à-dire tu prends toutes les pommes que tu veux, 5 contre 800 pièces d'or, on peut faire les 1000. Hein. Enfin, je veux dire, on peut. Alors ça, est-ce que je le fais, ça? Est-ce que j'en ai beaucoup des... Attends, si, c'est là, c'est l'inventaire. Toi, j'en ai 300, 331. Donc, quand même, tu peux pas plus, hein. Quand même, on le fait. Les poires, les scoubidoubis. Ah, putain. La poiscaille. Il me semble, il faut que je fasse gaffe. Il y a des poissons qui s'accumulent, genre les baleines et les... Tu vois, 88, baleines 39. Ouais, ça va. Ça va. Ouais, ça fait 110 poiscailles, là. 55 diamants d'innocence. Bon, bah, c'est pas mal. Il me manque un truc. Oui, ça. Les œufs. Est-ce que oui, oh, oui. Allez, les œufs. 27 000. Tu vois, si je fais ça, plus de pognon. Et toi? Ouais, mais le blé, il faut que je le garde. Par contre, ça, il faudrait l'améliorer. Oh, putain, 13 000, il n'y a pas de pognon. Il faut que je mette les fleurs en place. Ouais, celui-là, il demande une sérieuse... Ah, non, merde, mercredi. J'ai vu que... ouais, en face de la mer... Bah... Donc la personne fait le... Bah, elle arrive vers moi. Dans ce sens-là. Oui. C'est toi? T'as une quête? Quelle est cette quête? Il me faut une bonne source de protéines. Tu veux des œufs? J'en ai...
J'en ai pas. J'ai plus de melon. J'ai plus de melon. Plus de melon. Énorme. Normalement, j'en ai planté plein. Bon, mettons des fleurs en place. Encore des flowers, là. Ah bah super, il y a des œufs. Il y a des œufs, il y a des œufs. Ouais, mais pas les bonnes. Ouais, bah tu me diras, les cocottes, là, elles pondent rapidement. Comme j'ai besoin de pognon, je vais les ramasser quand même. 26 balles par eux. Un sou est un sou. Vous avez assez de nourriture. Vous avez assez de nourriture. Je garde tout pour vous. Vous voyez qu'il y a trois types de poulets là. Il y a deux types de cochons ici. Ils se mélangent pas trop. Je veux dire, ils se mélangent pas trop. Bon, ça y est, vous avez fini là. Et voilà. Donc, les carottes arrivent. Elles sont cuites. Par contre, le blé, bon, bah, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Bon, on avait dit des fleurs. Non, bon, je crois qu'il en fallait 20. Donc, inventaire journal de Kate. Oui, alors ça arrive. Ça, c'est les cochons. Les cochong. Le blé, il arrive. Les. Putain, ils arrivent aussi. C'est qui déjà, sa récompense? Oui, mais d'accord. C'est les œillets, oui, 10. Ah oui, il y a un nouvel animal. Ah oh, bah alors, quelle surprise! Une poule! Ça manquait quand même. Une poule. T'en avais bien besoin, hein, d'une poule. Oh, je peux faire un pont. Oh, ça peut être sympa. Bon, c'est mignon, quoi. Non, mais je peux faire un pont. Bon, c'est seulement un. Non, j'aurais voulu faire un pont, mais un grand pont. Je voulais faire un truc. Les routes. Ah, bah, y'a, d'accord. Nul. C'est nul. Ça me plaît pas. Tout simplement, les fleurs. Les flowers. Donc là, tu vois, quand il y a une quête, il te le met dessus. Donc on est d'accord, c'est cela. Ah, 21 000. Ok, donc j'en ai 12. Ça suffira pour l'instant. Bon, on y travaille. Bon, bah les rubans, le nerf de la guerre. Les rubans. Voilà, ça fait schlick. Donc tu me prends un petit peu de... pognon et un petit peu de courgettes. Voilà, c'est globalement pognon, hein. Pour cuisiner, c'est clair, il faut du pognon. OMG. Bon, 16 minutes. Eh ben, que peut-on faire? Essayer de faire d'autres quêtes, bien sûr. Ça, c'est en cours. Ça, globalement, c'est en cours. Ça, c'est les porcs, j'en ai pas des masses. Ça dit, j'ai plus de pognon pour les faire. Plus de pognon, ouais, non, mais ça c'est plein, faut pas y toucher. Faut aller vendre les œufs. Les pommes. Ah bah j'en perds mon latin, excusez-moi. Moi j'en perds mon latin. Du coup c'est là et 110, donc c'est bon, hein, t'as bien descendu au niveau de l'inventaire, au niveau pomme, ouais, tu vois, on est à 215, donc on est à 105, la moitié. C'est pas plus mal. Putain, franchement, la perte de pognon, est terrible. Là, j'aurais clairement pas dû. Faut vite rajouter autre chose. Les casquettes, machin, les couettes, bon. Alors, je sais que c'est un jeu Facebook, mom. Quand même, pensez un peu à nous. L'autre, il veut des trucs que je peux pas lui donner pour l'instant. Donc, cassos. Et bah, comme ça apporte du pognon, je vais ramasser les pommes. On ramasse la pommée. Bien sûr. On attend. Et puis bah,
peut faire ça aussi. Et puis, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller essayer d'aider quelqu'un d'autre dans sa ferme. Vous voyez que, ne serait-ce que depuis le temps qu'on parle, on a pris un niveau encore. Donc ça peut aller vite. Ça peut aller très très vite pour augmenter sa ferme, tout simplement. Tout simplement. Je crois que les poires, j'en ai déjà beaucoup aussi. Je les garde, mais j'en ai beaucoup, beaucoup trop. La seule chose, c'est que maintenant, j'ai plein de diamants. Mais je sais pas quoi en faire. Par mettre de la déco nulle. Ça, c'est des super pommes, hein. C'est des pommes de compète, hein. Ça, c'est des pommes de compète. Et puis, bah, c'est tout. Hein. Du coup, on pourra arroser encore. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que quand ça pousse, ça rapporte du pognon. Bon, je finis d'arroser ça. Et puis, je vais pas en mettre d'autres. J'aime pas trop parce que c'est pas voilà. Tu vois, c'est pas plein comme j'aimerais. Ouais, mais oui. Bon, de quoi est-ce que j'aurais besoin? Je pourrais planter un truc. Tu vois, j'ai pas beaucoup de blé. J'ai pas beaucoup de blé. Je pourrais planter du blé. Mais il va arriver le blé. Je suis con. Ah mais, répondez à cette question en commentaire. Je suis con. Qu'est-ce qu'on pourrait planter? Je crois que les patates, c'est pas mal. À ce niveau, je sais qu'on en a déjà. Enfin, ça dit, il faut des pastèques. Hein. Faut de la pastèque. Je crois que ça va coûter trop cher. Beaucoup, beaucoup trop cher. Bon, il n'y a plus de pognon. Plus de pognon. Revenons au jeu, bien sûr. Mais il n'y a plus de pognon. Fini les sous. Ok, bon, on n'en a pas pour très très longtemps. Je pense que ça va aussi rapporter un peu de poiscaille. On va tout simplement s'arrêter là et aller visiter une autre ferme. Donc on va quitter. On va laisser bien sauvegarder. Faites attention, ne quittez pas ce jeu n'importe comment. Parce que voilà, il y avait, je sais pas, oh, 91 les fraises de Charlotte, mais on a déjà allé voir ce Bouddha. C'était un peu n'importe quoi. C'est lui qui avait fait, par contre, Wonderland, là. Bon, allons voir les fraises de Charlotte, parce que ça a changé, 91. Je crois qu'il était genre niveau 50 ou un truc dans le genre. Je sais pas. Je sais que c'était énorme. Ok, tu veux oublier signer le oui, d'accord. Donc, tu vois, lui, il a 73. Un ruban. Pas forcément. En fait, l'idéal, c'est d'avoir de tout, comme ça. Oh, c'est joli, ces machins. C'est-à-dire, tu, voilà, t'as de tout. Quand t'as du pognon, t'as de tout. T'as un peu de tout. C'est-à-dire des courgettes ici. Courgerons. Ah bah, je sais même pas si ça existe ou pas, ça. Je peux pas nourrir les piafs. Ah, et puis ils ont mis des séparations. Why not? C'est vrai que c'est plutôt joli. Oh, dis donc, c'est joli ça. Qu'est-ce que c'est? Des aubergines blanches. Voilà. Alors quand je travaille ici, vous voyez, mon niveau il progresse aussi. C'est-à-dire que je peux progresser le niveau de mon personnage pour avoir des moustaches, des merdouilles, des tenues. Eh ben, c'est là, le tracteur aussi. Enfin, la tronche du tracteur. Est-ce que c'est vraiment utile? Finalement, non. On peut, disons-le, avouons-le nous. Bon, bah, il a fait un sacré schmart quand même. Oui, il a passé beaucoup de temps. Bon, je finis d'arroser ça et puis après, je vais juste à côté. On est déjà venu ici. En fait, faudrait juste se balader. Parce que bon, moi, je peux pas ne pas me rendre utile. Canne à sucre. Je peux pas ne pas me rendre utile, mais quand même. Non, il faudrait... Il a raison, quoi. C'est vraiment charmant, tu vois. Là, c'est plein, c'est pas la peine. Si c'est plein, on le fait pas. Ça, c'est un truc qui m'embête un peu. T'imagines, les gens, ils viennent chez toi. Même si c'est plein, t'as envie de le faire chier, tu ramasses tout. Tu le perds, hein. Tu le perds. Voilà. Mais c'est le risque. Si tu fais confiance aux gens. Et quand c'est plein, eh ben, il va pas continuer à charger, quoi.
T'as pas un truc en plus? Bon, bref, c'est grand. C'est extrêmement grand. D'accord, il a fait ça comme ça. Ouf, la vache. Il faudrait peut-être aller là en dessous. Ah, d'accord, ça c'est là. Donc je peux me téléporter ici. Ah, oui, bah oui. Parce qu'il a mis les... Pardon. Les fruits, les arbres. Comme ça. Par rangée de trois. Ça c'est très bien. Ça je vais le faire aussi. Ça il faut que je le fasse. Oh, c'est du bambou. Énorme ça. Du bambou. Et puis plein de... Voilà. Plein de piscine là. Plein de... La pisciculture en veux-tu, en voilà. Mais j'aime pas que tout soit... comment dire... Partitionné. Non, moi j'aime bien quand voilà, là c'est mélangé. Je trouve ça joli. Je trouve ça joli, voilà, parce que ça fait de la vie. Ça fait de la vie. Et moi ça me voilà. Ça me parle. Faut laisser mélanger là. Comme pour les poulets, comme pour les animaux. Il y a des animaux qui vont très très bien ensemble. Les vaches, les cochons, tout ça, tu peux mélanger. Mélanger. Bon, bref, on a vu. Allons-nous-en. Globalement, vous avez vu, hein, je gagne du temps. Je gagne du temps. Je vais juste faire la quête du. Juste faire la quête du blé qui doit arriver dans une dizaine de minutes moins. Et du coup, bah, je garde et je rejoins des fermes. 50, j'avais envie de voir ça. Wonderland, je me demande si je ne l'ai pas déjà visité. Genre, bon, il y en a qui sont bien. Blue Mountain, mais on l'avait pas visité hier. Avant-hier, je sais plus. Alors, saison, machin. Okay, voyons voir 59, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de... Bon, c'était plutôt sympa, là. Hein, vraiment partitionné comme ça, elle était très bien, cette ferme. Hein. Elle était très bien. Encore une fois, c'est des trucs hyper indus comme ça que j'aime pas du tout. Mais là, tu vois, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ah, un bon feu là. Bon, tu aurais... ça m'embête un petit peu, tu vois. Les fleurs comme ça, il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout. Donc globalement quand, ouais, ça c'est très très joli par contre. Hein. Bon, tu vois, il y a... Ça reste quand même hydraté, mais ok, l'hydratation ne bouge pas. Néanmoins. Pas l'impression que ça va plus vite. Bizarre, non? Ça, c'est un petit pont qu'on vient de débloquer. On vient de débloquer le petit pont. Ça, c'est sympa, ça. Ça fait un peu tonnelle. Alors, le saviez-vous? Ça, c'est marrant. Je l'ai appris il y a quelques temps. Mais les tonnelles, bon, c'est un mot français qui désigne globalement une espèce d'arche comme ça, mais qui sont reliées. Et en fait, on fait pousser des fleurs dessus. Un peu comme si vous faisiez pousser des fleurs, une pergola, mais voilà, là pour le coup c'est rond quoi. Et ben, les Anglais, parce que c'est eux qui ont creusé les premiers tunnels, ont décidé de baptiser ça tunnel, parce qu'en fait les ouvriers ils mouraient dedans. Ils mouraient dedans, et du coup ils avaient peur d'y aller. Et ils avaient choisi un joli mot français pour encourager les ouvriers à y aller tout simplement. Ils avaient appelé ça tonnel. Donc voilà d'où vient le mot tunnel. Je trouvais ça très très marrant, très très sympa. Surtout qu'il a été dévoyé quoi, parce que bon, les conditions. Ah bah alors ça parle une langue que je connais pas. Ça parle une langue que je connais pas. Oh, c'est plutôt sympa comme ça, la flotte comme ça. Une montagne et puis la flotte tout autour. C'est un peu château. Hein, ça, tu vois, regarde, je n'aimais pas beaucoup dans un premier temps, et finalement, ouais, bof, j'aime toujours pas. J'aime toujours pas. Ok. Bon, bah, à part sa tonnelle, si, quand même, là. Non, c'est joli, hein. Attendez, regardez, c'est joli, j'adore, là. Ce garde-corps, là, est très joli. Vraiment, c'est très, très bien. Puis là, il a même décoré le petit panneau. Très bien. Nickel. Vraiment très belle ferme, il n'y a rien à dire là-dessus. On peut même aller signer le livre d'or. Bon, ça dit c'est toujours un peu chiant, là, tu vois, c'est toujours... Ouais, mais c'est joli. C'est que des flowers, c'est pas toujours les mêmes. Ouais, non, c'est joli, puis tu mets les fleurs que tu veux. Si, c'est une bonne idée. Globalement, c'est une bonne idée.
Non, c'est une bonne idée, il n'y a pas à dire. Hein. Plus avec les machins sur le côté. Non, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Moi, j'en aurais même mis de quatre côtés à chaque fois. Je sais pas ce que ça coûte. Ouais, non. Il n'y a rien à dire. Non, c'est bien. Et puis avec les petits machins qui s'allument, hein, les lampadaires, hein. Ils s'allument la nuit et c'est vachement sympa. Est-ce qu'on sera la nuit bientôt? Ah, je sais pas, hein. Donc oui, il faut quand même que je fasse des efforts, hein, sur ma ferme, hein. Bon, en même temps, en fait, c'est le pognon qui me manque. Mais cela dit, maintenant, niveau déco, ouais, on va rentrer. On va rentrer, chers amis. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à voir. Rentrons. Attends, est-ce que j'ai signé sa ferme à lui? Parce que franchement, ouais, mais du coup, je sais plus où ça, c'est là. Le livre d'or. Franchement, il mérite, elle est superbe, sa ferme, il n'y a rien à dire. Ravi de t'avoir rencontré, ouais, magnifique ferme, il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien à dire, elle est vraiment ravissante. Cassos, est-ce qu'on n'achèterait pas tout de suite? On a visité deux belles, là, les autres sont pas incroyables. Ils sont 30, 39, à peine plus au-dessus que moi. Bon, je voulais un truc. Celle qui était là, hein. C'était ce qu'il y avait. Alors, peut-être pas là, mais juste là. Non, j'aime bien comme ça, perte de vue, là. C'est magnifique, ma chérie. 450, yes. On pourrait même peut-être là, il y a plein de vergers. On pourrait faire une map qu'avec des arbres. Et là, tu me... 800, waouh, 800. Enfin, ça dit, on peut se le permettre, hein. On peut se le permettre, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, on a bien travaillé. On a bien travaillé, on a bien vendu. La spécialité maison, tu me diras, mais... ok. Plein d'arbres. Plein d'arbres, des poulets. Des poulets, bon, on va vous mettre avec les autres, hein. Il y a assez de nourriture. Ils font dodo. Deux grosses parcelles, là. Ouais, ça suffit, je pense. Je pense que cela suffit. Citronnier, bon bah voilà. Alors là, tu vois, je voulais ça. Je voulais ça. Mais c'est pour ça aussi, c'est bien de les mettre ensemble, les cocottes. Parce que il suffit que tu mettes un machin comme ça. Ok, donc du coup, les... Ok, ça c'est fait. Il me manque les cochons. Il me manque les cochons, il me manque plus grand-chose. Ouais, mais les cochons, donc, il n'y en a que 15. On n'a que 15 en effet. Ouais, non, en fait ça va pas. Mais moi, tu vois, ça va pas. Bon, bah ça va pas. Ça, il va falloir augmenter la taille des cochons. Il va falloir augmenter la taille des cochons. Les cochons noirs là. Cochons ibériques. Je réfléchis à un truc, mais quand même. Bon, une petite minute. Une petite minute. Monsieur le bourreau, on y est quasiment. Ouais. Donc, y a-t-il une autre quête? Non, y a plus rien. Il y a ça, il y a juste le blé à ramasser. Puis après, c'est fini. Et là, vos vaches cochons, j'avais pas vu que j'avais seulement 15 porcs. Donc, ça suffira pas pour faire cette quête-là. Là, il me manque tellement peu. Tellement, tellement peu. Mais les fleurs, c'est toujours long. Toujours, toujours long. Et là, c'est l'hiver, chers amis. Et quand c'est l'hiver et qu'il fait froid, fous ta cagoule, gars. On n'oublie pas, hein, on met bien sa cagoule quand c'est l'hiver. Faut que je revoie le film Fatal Bazooka, ça me turlupine. Bon, allez, 7, 6, non, on parlait de... Et voilà, yeah! Ok, donc il m'en faut 60. Et ça fait du pognon. Et le pognon, on en a besoin, bien sûr. Putain, je reste à 28 000. Mais en fait, avant de décrocher, voilà, ça fait 4. 4, c'est bien. 4, c'est bien. Avant de décrocher, on va faire chose suivante. On va mettre un truc. Parce que là, c'est carotte. Oh, bah, carotte, pêche. Dépêche. Est-ce qu'on en a des pêches? J'en ai pas planté, hein. Je crois que j'en ai zéro. D'ailleurs, 0 sur 20.
des poiriers larges. Carottes, il y en a déjà 12. Où ça? Bon, je sais pas. Ah, si, ça y est. Il y en a là-bas, des carottes. Bon, bah, les pêches, il va falloir en planter. Tu vois, il me demande tout de suite 20 pêchers. Enfin, 20 trucs de pêche. 20 trucs de pêche. Bon, on va les mettre ici, hein, les pêchers. Je crois que ça s'appelle comme ça, des pêchers, hein. Hop là. Il y a ça aussi à planter. Oh, mais ça coûte pareil une petite fortune. Heureusement, les... Ouais, non, si, ça coûte quand même 1000 balles. Ça coûte quand même 1000 balles. Donc, du coup, je vais tâcher d'en planter, mais sans le tracteur. Non, ça va faire une... Ouais, mais tu vois, il m'en faut 20. Quatre, 5, 6, 7. On fait ça, le tracteur, bon, je l'ai fait par paquet de 9. Et vite, plus de pognon, hein. Bon, revenons au jeu, mais... Comme ça, c'est bien. Ça fait de la couleur. Mais, ouais, mais en fait, le plan, ce serait de mettre tous les arbres de l'autre côté. D'ailleurs, dans ma nouvelle, dans mon nouveau terrain, il n'y a pas d'arbres. Faut que je regarde. Enfin, de pêcher, quoi. Ok, donc 32 minutes. Mais... Et là-bas, il y a les... Non, j'avais commencé justement à... Ouais, tu vois. J'ai planté des trucs et du coup... Bah, j'ai plus de pognon. Bah, tant pis. On va falloir planter des carottes. Hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Carottes, pêche, poirier, c'est bon. Puis on va faire ça. Bah, chers amis, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cet épisode. Gros pouce bleu, gros abonnement et gros bisous, bien sûr. Bah, quant à moi, le prochain épisode, je vais faire en sorte d'avoir vraiment quelque chose à vous montrer sur le jeu. Parce que bon, la maison, on a un peu fait le tour. Les animaux, on a un peu fait le tour. Donc voilà. Sur ce, gros pouce bleu, gros abonnement, gros bisous, prenez soin de vous. Tchou tchou, bye bye, à la prochaine.